using pitch change. Add your own examples at the end. 1. Dogs eat bones. 2. Mike likes bikes. 3. Elsa wants a book. 4. Adam plays pool. 5. Bobby needs some money. 6. Susie combs her hair. 7. John lives in France. 8. Nellie teaches French. 9. Ben writes articles. 10. Keys open locks. 11. Jerry makes music. 12. Jean sells some apples. 13. Carol paints the car. 14. Bill and I fix the bikes. 15. Ann and Ed call the kids. 16. The kids like the candy. 17. The girls have a choice. 18. The boys need some help. Pause the CD. Practice the patterns 5 more times on your own using a rubber band. Exercise 1-2. Noun intonation. Practice the noun stress pattern after me using pitch change. Add your own examples at the end. 1. Dogs eat bones. 2. Mike likes bikes. 3. Elsa wants a book. 4. Adam plays pool. 5. Bobby needs some money. 6. Susie combs her hair. 7. John lives in France. 8. Nellie teaches French. 9. Ben writes articles. 10. Keys open locks. 11. Jerry makes music. 12. Jean sells some apples. 13. Carol paints the car. 14. Bill and I fix the bikes. 15. Ann and Ed call the kids. 16. The kids like the candy. 17. The girls have a choice. 18. The boys need some help. Pause the CD. Practice the patterns 5 more times on your own using a rubber band. Exercise 1-2. Noun intonation. Practice the noun stress pattern after me using pitch change. Add your own examples at the end. 1. Dogs eat bones. 2. Mike likes bikes. 3. Elsa wants a book. 4. Adam plays pool. 5. Bobby needs some money. 6. Susie combs her hair. 7. John lives in France. 8. Nellie teaches French. 9. Ben writes articles. 10. Keys open locks. 11. Jerry makes music. 12. Jean sells some apples. 13. Carol paints the car. 14. Bill and I fix the bikes. 15. Ann and Ed call the kids. 16. The kids like the candy. 17. The girls have a choice. 18. The boys need some help. Pause the CD. Practice the patterns 5 more times on your own using a rubber band. Exercise 1-2. Noun intonation. Practice the noun stress pattern after me using pitch change. Add your own examples at the end. 1. Dogs eat bones. 2. Mike likes bikes. Okay. 3. Elsa wants a book. 4. Adam plays pool. 5. Bobby needs some money. 6.
Susie combs her hair. 7. John lives in France. 8. Nellie teaches French. 9. Ben writes articles. 10. Keys open locks. 11. Jerry makes music. 12. Okay. Jean sells some apples. 13. How are you doing, class? Bill cleans the car. 14. Are you okay? Bill and I fix the bike. 15. Say hello to everybody. Moi, salut à tout le monde. OK. Vous connaissez depuis l'effet l'ESA. C'est Malebranche on the air qui rentre la caillou. OK. Avec un anglais spécial. Côté que vous chita la caillou, ou amusez-vous avec nous dans la langue anglaise. OK, Glass? Practice the noun stress pattern after. All right. I say hello to all my friends, okay? To all my followers, okay? Salut à tout le monde qui déjà branché bel coup anglais ça, okay? Que ou chita la caillou, ou amusez-vous avec nous ensemble, okay? C'est un très bel moment que nous pourrons passer ensemble. All right, class. Préparez-vous pour nous passer moment ça. On va continuer avec formation du pluriel en anglais. OK? Vous connaissez, depuis m'entrer dans un grain de bagaille seulement, class. Moi là, m'a expliquer quoi très doucement. D'une façon pour tout le monde comprendre, ok? Ou bien un seul bagay ou ap aide me faire classe, ou connaît déjà, qui c'est partager live là. Seulement ça, après ça, ou pas faire rien encore. Et puis moi-même, m'ap mette moi disponible pour m'pote anglais à la caillou. Ok, classe? On nous partager, sans camper, on nous la gueule dans tout groupe, yo, ok? Invitez amis sous Messenger et venez garder bel moment ça nous va passer ensemble dans cours anglais. OK, Glass? Hier, nous t'ai parlé de pluriel avec pluriel régulier. OK? Nous allons continuer avec pluriel régulier. Nous t'ai parlé même, j'en ai dit que verbe régulier, gain irrégulier. Gain pluriel régulier, gain irrégulier. OK? Nous allons continuer avec pluriel, Glass. Côté que nous allons parler là de formation du pluriel avec la lettre O, ok? Avec O comme voyelle. Nous parlons dans O comment ça marche, ok? Merci avec vous même qui branché, qui déjà dit hello, qui déjà salue nous, ok? Nous saluons, continuez, partagez live là, on nous fait arriver tout côté, ok? Pour travailler là capable pousser bi devant, ok? Glass? Règle de formation du pluriel, nous parlons premièrement O, nous parlons de lettre F, hein? C'est à la fin, dans fin mot, classe, dans fin mot, O, F, 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 et puis F, E, en anglais. Vous comprenez? Nous parlons bien expliquer d'une façon comme si c'est dans la classe l'entrée, ok? Vous pas besoin de peur, j'en me dis là, grand bagage à faire, c'est partager, nous parlons de faire depuis le mot terminé par ça. Pas de problème, mais comment on va faire pluriel ou sans aucun problème. Ok, Gléas? On nous continue, partagez-le, faire arriver sous plus monde pour nous capables de continuer avec si bel travail ça. Ok, Gléas? On allez. Nous parlons de lettre O, j'aime tout là. Nous parlons de O, dans le O, Gléas. Je dis formation du pluriel avec O. Hier, nous te parlons de Gléas pour former pluriel ou aller dans le fin mois ou ajouter S. Ok? Je dis. Ou ajouter S dans fin moi hier yeah. C'est ça nous te wè nous te wè le ça pluriel régulier par exemple là s'lem gagne car qui c'est chat pour me former pluriel là ça OK ouais OK qui c'est un chat pour me dire plusieurs chats me dit cats m'ajouter S OK dans pluriel régulier si me gagne dog m'a fait même bagarre là pour dog S O là hein pour me gagne pluriel là me dit dogs. OK, di dogs class. It is very easy. Pour former pluriel, non, mot ça yo. On nous quitte de ça rapide et nous te parler aussi comment former pluriel
dans des mots qui terminent par Y, glass. Nous dit lorsque mot a terminé par Y, nous avons un exemple avec fly, par exemple, pour connaître ce qu'il a point S, ou bien si Y là a changé en I et S, nous devons obtenir compte de ça qui vient avant là, est-ce que l'I c'est un vrayel ou bien un consonne, ok? La main c'est un consonne, eh bien Y là a changé en I et S, on dit flies, et cela est bon, pile exemple pour t'es capable comprendre, ok glace. Et nous te prenons l'autre exemple encore avec play par exemple, ok. Nous dit non play, nous te voyons comment il est la forme, regardez ça devant là qui c'est un vrai L, et bien juste aller là m'ajouter S, on dit pluriel là c'est plays, ok, ou bien verbe en troisième personne m'ajouter S, ok glace. Good. Quand nous parlons, nous allons parler de lettre O, ok? Ok, fait le job là, on va arrêter. Ok, alright? Nous continuons, classe, nous continuons à partager, hein? Nous partager, vous comprenez? C'est le partager pour nous capables d'avancer plus. On aller dans la lettre O, Kounia, hein? De bons petits détails tout court, hein? On aller dans O, Kounia, classe, il dit pour me former pluriel. Avec un mot qui termine, pas oublier c'est terminaison qui intéresse nous, ok? C'est terminaison qui intéresse nous, pas oublier de vous monter, tout partager live là, pour faire arriver dans 50, hein? En aller. Je dis pour les mots qui se terminent par O, F, 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 E, ok? Ces mots, ça, nous allons former, hein? Pluriel, la dan ou la glace. Dans tout bon vocabulaire là, ça le dit, ok? Suivez bien, parce que chaque mot nous utilise, dans tout le monde, ça le dit, en aller, glace. O précède d'une consonne, ok? Là nous gagnons O classe, qui gagne ça qui vient devant l'an, avant l'an, qui c'est une consonne, ok? N'a ajouté derrière O A et S. Cela hein? Tenez bien. Qui l'élément formé pluriel classe, nan mot qui termine par O yo, m'a ajouté ES nan mot A, c'est le O A suivi précédé d'une consonne. En aller classe. Pour former pluriel là, ok? Exemple. Là, je viens dans la classe, là, je dis, on regarde, c'est là pour me permettre de comprendre. Ok? Là, je gagne mon sala qui est au singulier classe. C'est nous là, hein? Je gagne potato. Hein? Potato qui est au singulier. Plus que lui au singulier la classe, pour me former pluriel là-dedans, qui s'embral fait glace, qui est gladine, m'a suivre qui ça, s'il précédait d'une consonne, ou bien est-ce que il précédait d'un autre bagaille. Regardez bien, ok? Bienvenue, Yolande, bienvenue. Exact, Yolande dit partager. On continue. Yeah, FB, ok, good. Buddy, how are you? Fine. Ok, I'm fine, Chris, good. Ok, let's continue, hein? Ndi ki sa mbral teni kont la klas, mbral voye zyem, mo ki precede, sa ve di vini avan, ok? Eske li se yon konson, ou bien eske li se yon vrayel? Se a pati de la, map konen koman, eske map ka ajoute S, ou bien map ka ajoute ES pou m forme pluriel la, hein? Lem vin devan O la klas, mwen wè devan O, genyen, yon consonne qui c'est T, ok? Li gen yon consonne qui c'est T, plus que T qui devant la c'est yon consonne classe, eh bien, pour me former pluriel là, qui ça yon dit, m'a ajouté ES, ça veut dire, ça pral ban mwen, potatoes. Et c'est la glace. Li pral ban mwen, m'a ajouté ES pour me former pluriel là. Pour qui ça c'est ES, m'a ajouté pour me former pluriel là? M'tenu compte de O, est-ce que O suivi d'une, précédé d'une consonne, ok? Là, m'voye j'aime moi O, moi c'est te qui devant, et eh bien plus que c'est une consonne qui devant là, moi aller là, moi ajouter et S, ok? Hein? Welcome, Soriane, good. Ok, Glass, m'dis pour m'former pluriel là, qui ça m'fait? Mal tenu compte, est-ce que là m'gagne une consonne ou bien une vrayel? Lem voye jem la mwen son konsonne gen la, mdi pou m fome pluriel la klas, mwen ap ajoute ES, paske O
est précédé d'une consonne. Eh bien, pour me dire pluriel là, là, je vais parler de plusieurs pommes de terre, ok? Potatoes, qu'on a dit potatoes, ok? Laissez-moi parler de plusieurs pommes de terre. Est-ce que nous, l'anglais, on partage, hein? On continue très bien, il y a monde qui continue, hein? Hi teacher, how are you, bud? Jean-Philippe, you're fine? Ok, let's share, class, let's share, ok? Yon kou important, yon kou bel kon sa, hein? De pou monte, partage. Faut toujours gen la tête tout, on fait le rive 50 pour pipiti. On a le glas. Ok, est-ce que ou est là, hein? Kou yon a glas, sa m'vigne là, m'gen potato, ki vin bom, potatoes, ok? Ki vin bom, hein? La di potato, parle de pommes de terre, ok? L'ambin là par exemple, j'ai hero, ok, hero, hein? Qui ça me fait glace? M'aller là dans lui, ok? Me fait même coup d'œil là, hein? Me dit qui ça me fait? Mal tenu compte ça qui précède au assalier. Eh bien, moi c'est une console. Eh bien, coup d'œil en classe. Pour me former pluriel là, moi ajouter es, ok? Moi ajouter es. Heroes, ok? La mine gagne, heroes, ok? I can be your hero, baby, ok? Good. Alright, let's continue, class, ok? On a le troisième vocabulaire qui c'est volcano, volcano qui c'est volcan, ok? Qui c'est volcan. La mine là encore, qui coup d'œil me fait class? Moi, j'aime là pour moi devant OA. Qui ça qui gagne devant? Est-ce que c'est une console? Ou bien yon voyelle. Très bien, moun ki a partagé. Good job. Thank you very much. Ok? Exact. I know if it. I know, my friend. You are raised to your job. Ok? Good. Let's continue class. Ok? Mwen jem la. Mwen wè nan volcan. Gade mwen. Sa precede la se N. Se ok. Ou gomen se N in English. Koun ya. Pou m fome pluriel la class. Ma ajoute. ES, ok? Mais ajoutez ES, ça là nous parlons de détails, hein? À nous partager très bien, mon cap partager, me sentir que mon gars travaille, hein? Quand on me dit la classe, Falconos, ok? Falconos, ok? Parce que moi ajouter ES, pourquoi ça m'ajoute ES? Parce que là, devant, ok? Parce que O est précédé, ça veut dire devant, ça qui vient avant là. C'est une consonne. Eh bien, pour me former pluriel là, c'est simple. Moi ajouter ES. Est-ce que nous avons classe? Right now, classe. Bon, bon, un petit exemple tout court. For example, classe. Si je viens à Kounia. Ok, là, je viens à radio. Ok, je viens à radio. Vous connaissez radio, qui c'est radio. Hein? Je dis radio, classe. Nous parlons de simple coup d'œil avant nous entrer. Hein? Dis pour me former pluriel là qui premier coup d'œil me fait, me garder qui dès qui ça au précédé, hein. Le précédé d'une console, eh bien m'aller dans OA m'ajouter ES. Dis potatoes, OK? Est-ce que tout le monde là en classe? Et même genre, vini encore me gagner mango. OK? Dis mango, OK? Mango manger, OK classe? Vini là pour nous garder dès qui ça mango précédé. Moi j'ai classe, eh bien me dit OK une console. Et bien, me former pluriel là, c'est facile. Di mingos. Est-ce que nous l'avons classe? Di mingos. Very easy. Heroes. Potatoes. Ok? Quand nous avons un jeu, nous avons un radio. Ok? Radio. Hein? Est-ce que nous l'avons classe? Nous avons un radio là. Plus que nous avons un radio, nous allons faire même coup d'œil là. Pour moi, comment nous allons former pluriel là? Est-ce que nous l'avons? Moi je mets O, me dit moi regarder qui ça qui vient avant O. L'aime regarder ça qui vient avant O, c'est une voyelle. OK glace. Plus que c'est une voyelle qui vient avant O là, eh bien pour me former pluriel moi la classe, m'pap ka ajouter ES là pour me dire radios. OK, m'pap ka ajouter ES. Pour qui ça m'pap ka ajouter ES classe? Parce que là OA précédé d'une voyelle, ok? C'est une voyelle qui vient avant. Plus que c'est une voyelle qui vient avant, eh bien là, classe, je ne peux pas ajouter ES, mais je peux juste ajouter S, ok? Je peux juste ajouter S, je dis radios.
Est-ce que vous voyez clair? Est-ce que vous avez différence là, hein? Est-ce que nous avons une différence là, hein? Radio, no, it's not good, okay? Mbapka ajoute very good, Chrissy, okay, good. Alright, I'm fine, thank you, okay. Pourquoi ça Mbapka ajoute ES la classe? Qui ça m'a tenu compte? M'a regardé pour moi, est-ce que OSA, ça qui vient devant là, si c'est une consonne ou bien une voyelle? Si c'est une consonne qui vient avant, ok? Ou qu'on est voyelle au classe, on devons voyelle qui c'est A, E, I, O, U. On dit ça, c'est voyelle au classe. Est-ce que nous là, hein? On suit bien, ok? Pendant qu'on va partager, très bien, on nous suit tout, hein? Là, on dit radio, qu'on a qui ça m'a tenu compte dans mon classe? M'a regardé moi, où ça m'a parlé de l'IA? Est-ce que le lilo mot? C'est après yon nan sa yon li vini. Est-ce que nous avons une glace? M'a regardé pour moi les lilan yon mot. Est-ce que c'est après yon nan sa yon li vini qui c'est voyelle? S'il vini après yon nan moun sa yon, ton kou sa la, li vini après ia la, eh bien, m'a pas ajouté ES, mais m'a just ajouté S. Est-ce que nous avons une glace? Kou nan koune vre konson yon ki sa yon, et yon koune yon bien, hein? C'est B, C, D, F, etc. Et bien, depuis que je regarde moi O, moun qui devant O, ça qui devant O, c'est une consonne. C'est le ça, je vais ajouter ES pour me former pluriel. Est-ce que nous là, hein? C'est ça que fait l'aime vin là. Je dis potato, potatoes. Hero, heroes. Volcano, volcanoes. Est-ce que nous là, hein, Gléas? L'aime vin là, comme dit avocado. Hein? Qui consta me fait encore? Me fait même consta là. Est-ce que la suivre? Me fait même consta là. Regardez-moi là. C'est vrai qu'il y a O pour me former pluriel là. Qu'on a mal tenu compte de ça qui devant O. Est-ce que c'est une consonne ou bien une voyelle? Plus que c'est une consonne, qui ça me fait classe? M'aller derrière, moi ajouter ES. Est-ce que nous là, hein? L'aime non mango encore classe. Qui ça me fait même consta? Voyez moi OA devant OA, ça qui devant OA c'est une consonne. Et bien malé sous non OA là m'ajouter ES, me dit mangoes. Est-ce que nous là, hein? Me dit mangoes. OK? All right, mangoes, it is tasty, hein? Mango, li goût en pile, hein? OK? Mango bon goût en pile, hein? Ouais, mettez ES. Est-ce que nous là, hein? Quand on a les classes, yo dit quand l'O OA. OK? Final est précédé d'une voyelle. Depuis O a kounya classe, m'gade moué, avant O a se yon voyelle qui gagne. Tade bien. Depuis m'voye zem avant O a mwen wè se yon voyelle qui gagne. Pour m'forme pluriel là, m'jous ajoute S. Est-ce que nous là, hein? Parce que avant O a, mwen wè gagne yon voyelle. M'jous ajoute S. Par exemple, la vin la sa m'di classe. La route dit radio, ok? Nous dit radio. Regardez moi devant OACI, et bien just ajouter S, radios. Est-ce que là, hein? Vin la classe, on dit video, OK? Regardez moi OA là, qui ça qui devant OA? Hein? Hein? Devant OA là ça moi encore? Hein? Et bien moi c'est E qui c'est une voyelle, et bien me dit videos. OK, so là en classe. Là vin la encore classe, on dit bambou, OK? Qui c'est bambou, hein? Hein? Là vin la qui ça me fait que c'est bambou par exemple. L'aime bien là me dit qui ça? Moi je me la moi O, et suivi de O encore, ça veut dire O suivi d'une voyelle. Et bien qu'on a pour me former pluriel moi, c'est simple, pour me former pluriel là c'est simple, me juste ajouter S. Qui raison fait c'est S moi ajouter, me pas ajouter ES. Me pas ajouter ES parce que O est précédé d'une voyelle parce que O a ça qui vient avant là c'est une voyelle. L'aime vin la même bagaille là, ça qui vient avant là c'est un voyelle. L'aime vin la encore mais O, ça qui vient avant là c'est E là c'est un voyelle, juste ajouter S. OK? L'aime vin dans radio, même travail là. Moi je me dans radio encore classe. M'garde radio bien. Moi ouais radio, OK? M'garde moi O, me dit c'est O qui intéressé pour former pluriel là. Plus que c'est O qui intéressé pour former pluriel là, m'va tenir compte de est-ce que O ça li placé li gen yon voyelle qui placé avant ou bien c'est yon consonne qui placé avant, hein? Très bien, on nous partager. Awesome, good job my friend. Thank you very much my friend.
Andy, you welcome. No, it's Andy Anderson, dear. Okay, you welcome, Anderson. Obrigado, meu. How are you doing? Okay, let's continue class. Kounye m di la m gran fòmè pluriel nan radio, se trè fasil. Epi pou m fòmè pluriel nan radio la, ki sa m fè? M fè menm bagay la. M gade mwen o, m gade ki sa ki devan la. Hein? Mwen se yon voyel ki devan, plus ke se yon voyel ki devan, epi m ale m just ajoute S, ok? Epi se menm bagay la, lèm vin nan ki sa mwen la glas. Lèm gen la m gen studio. Eso wè, m gen studio. Ki sa m voye jèm nan studio class pou mwen si m ka fòmè pluriel la? Mal teni kont de sa ki devan o a. Paske se o ki terese m la pou m fòmè pluriel la. Epi m voye jèm devan o mwen se i. Epi se ke la mwen se yon vrayel. Epi pou m fòmè pluriel la la m pap ka ajoute es. Paske o e precede d'un vrayel. Epi ki sa m ap fè klas? Epi m ap just ajoute es. Eso la, hein? Just ajoute S. Pour qui ça c'est S moi ajouté? Parce que devant OA c'est yon voyelle qui gagne. Est-ce que tout le monde là hein? Même j'en connais vin la me dit patio. OK, me dit patio, patio c'est like a yard. OK, like a yard. You understand yard? Hmm? Yard qui c'est la cour, OK? Patio son ral ou gagne et un espace ou gagne. OK, dans la cour etc. hein, ouais joyo. OK, ouais, je le parle la patio. Et puis qui ça me tient compte là? Moi je me la moi la gagne i, et bien mais o. Et puis qui ça me dit? Just ajouter s, OK? Moi la gagne i, la o. Just ajouter s, OK? Mais pas oublier clair, ce qui ça fait une règle souvent existé, c'est parce qu'il y a des cas exceptionnels. Mais il y a des cas exceptionnels clair. Côté que on pas respecté principe leur formule pour garder est-ce que gagne une voyelle ou bien une consonne est-ce que nous là hein gagne des cas exceptionnels nous voilà quelques cas très rapides studios très bien solia exact OK très bien Christina hein qui sont venus faire encore hein bien plus que la classe si va parler des tatou. Ouais, tattoo like this, ouais. Ngi tattoo là par exemple, qui ça me fait pour me faire pluriel là pour me parler de plusieurs tattoo, mal tenu compte de OA, OK? On dit mais au cap former pluriel là, qu'on a former tenu compte de ça qui devant là, et ça là hein. Ça devant là moi c'est un voyelle, mettez V, OK? Ça veut dire c'est un voyelle. Et bien pour me former pluriel là là, on juste ajouter S, OK? Tattoos, OK? It is very easy. Et ça en classe, hein. Bien facile. GG, how are you? Hein? C'est très très facile hein. On nous continue partager. Oh, non 60 toujours hein? On a les glaces, OK? Est-ce que tout le monde a une formule hein, glace? C'est bien facile, bien facile hein. Ouais. Nous bon, très facile qui va permettre ou mais pas oublier qu'on a nous dit gain ça relé cas exceptionnel. Cas exceptionnel le qui dans qui ça revenir glace, c'est là nous gagner des mots scientifiques, OK? Des mots scientifiques on dit yo des mots d'abréviation OK des mots scientifiques ça veut dire des bagailles que moun créé non qui a rapport avec la science OK lorsque mot ça yo terminé par o m pa pral tenir compte de consonne ou voyelle m juste ajouter s exemple classe OK parce que tout moun wè bien là hein tout moun wè bien comment nous former pluriel là sans aucun problème OK avec mot qui est oyo qui très facile on dit là nous venir là nous lit là on dit qui ça les mots précédé ouais précédé d'une consonne on ajoute es on juste ajoute es après oa ouais pour le pluriel OK on dit exemple là me gagne potato on dit potatoes qui c'est pomme de terre l'aime bien on dit hero dit heroes OK et wow l'aime bien on dit volcano. OK, et bien pour me former pluriel là, m'ajouter ES, m'di volcanoes, OK? Bien facile. Lèm bin nan encore qui ça m'di avocado qui c'est avocat et ba avocat k'ap discuter non, hein? Dans sens avocat hein. Quand nan vin la classe m'di mango, li vin bon mwen mangoes, ouais? OK, ES mango hein. Bien et facile. Ni videos, bamboo.
bamboos, radio, radios, patio, patios, or studio, studios, okay? Very easy. Quand on dit glace, ou exception. Nous parlons exception, hein? L'aime une photo glace, attendez bien. Photo, ça fait photo, ce sont c'est des bagages qui ont rapport avec scientifique. Ou à notre téléphone là, ou fixe son mon caf. Est-ce que là, hein? Je dis, mon ça yo, les formes pluriel là-dedans, yo, par exemple, pas pral tenir compte des consonnes. Ils ont fait tout mettre là pour, parce que mon ça a utilisé rapide. Nous pas pral tenir compte des consonnes pour ajouter ES là. Est-ce que là, hein? Ça yo, nous pas ajouter ES parce que yo, c'est des cas exceptionnels, ok? L'aile exceptionnelle, ça veut dire nettement différent par rapport avec principe règle grammaire là bas là hein. Pour là, la mienne photo la classe, il prend ban moins mais un photo. S, est-ce que hein? Il just prend S. Pourquoi ça just prend S? Parce que dit mot ça yo, ce sont des exceptions. Exception yo, pas ca règle pas respecter pour yo hein. Ouais, photo, photos, hein? Stylo, ouais, n'gè stylo la glace, ouais, stylo, ok? C'est vrai là, on a précédé de yon console, mais règle pas respecté pour m'ajouter ES là-dedans. Plus que m'pap ajouter ES, la just prend S, et selon là, hein? La just prend S li, laisse ça, li pas respecté règle à lui-même, et selon là, hein? C'est cas exceptionnel, dit stylos. Et ça là hein, bon mot qui pas respecté principe là. L'aimer dans quoi glace, on dit piano, ouais. Piano, piano, piano pas respecté principe là. C'est vrai là gagner une consonne, on doit supposer ajouter ES, hein. Mais plus que son cas exceptionnel, il pas respecté principe là, eh bien pas qu'à ajouter ES, eh bien, li rete Jean Lia m'ajouter S, on dit piano. Pianos. Et ça là hein. Même j'en ai venu encore pour me dire dynamique encore, ouais. Dynamo, ouais. Dynamo, dynamo. Je fais même bagay là. Malé dans dynamo. Ok. Malé dans dynamo glass. Et puis qui ça me fait? Juste ajouter S. Parce que il n'est pas capable de former pluriel avec ES. Parce que c'est des mots qui by exception. Il y a une exception pour yon les formes pluriel. Et bien, quand on vient là pour me dire dynamique, et bien, moi, je suis même genre, je suis seulement dit glass, dynamos. Ouais, je suis juste ajouté S. Je dis dynamos, ok? Là, je viens là, je dis stylos. Stylos. Photos, ouais, bien facile, hein? Je juste ajouté parce que, voyez ce que ça marque là, exception. Ouais, exception. Ça veut dire, moi, ça y est. Yo pa respecté principe là yo même ouais mba ou quatre ça plus utilisé yo qui c'est photo piano stylo et puis dynamique est-ce que on a une glace OK qui ça règle te dit règle dit pour former pluriel là la oa m'a tenir compte devant oa est-ce que gagne un voyelle ou bien un consonne là gagne un consonne plus que gagne un consonne m'a ajouter es photos OK mais ni mes amis on a dit m'va tenir compte encore les m'a former pluriel là. Est-ce que moi terminé par est-ce que c'est O terminaison hein? Et puis m'a regardé devant O est-ce que me gagne une consonne ou bien un voyelle si c'est un voyelle qui devant O juste ajouter S radios OK est-ce que nous là hein et puis bon 4K exceptionnel qui plus utilisé qui c'est piano qui c'est stylo qui c'est piano photo et puis dynamo OK. Quand la classe, nous allons parler de gain pile bel mot dans ça yo, dans mot qui termine en F, F F E F E yo pour me former pluriel là, gon paquet bel vocabulaire que on a vraiment besoin là-dedans yo. Il faut de connaître, OK? Surtout l'on va l'acheter par exemple, ouais. Surtout l'on va l'acheter par exemple en market, OK? OK, là pour acheter dans market par exemple, ouais, je dis les mots qui se terminent par F F F F E forment le pluriel. Ouais. En pendant la forme pluriel là, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré F
et puis nous remplacer F par VES. Est-ce que nous avons une classe? Ça c'est là m'a fait formation pour mots qui terminent par F, RF, FF et puis FE. Nous prenons une classe parce que nous avons un paquet de belles vocabulaire là-dedans pour faire achat. Par exemple, si vous avez un paquet ou acheter un type type un qui tranché, ouais, ok. Pour une classe, on est là, on regarde. Femme qui a dit classe. Loaf of bread, for example. Ouais. L'homme dit loaf of bread. L'homme parle de yon type tranché. Yon tranche. Mais si c'est plusieurs classes, l'homme voit les yeux là. Ok? M'voye les yeux moué. Loaf terminé par F. Et bien, immédiatement, m'bral forme pluriel moué là. Forme de temps qu'on est, m'bral vin bon moué loaves. Ouais. Loaves. Ok, et bah love you, ouais, loves, ok. Pour la ça me fait la classe. Moi regarde mot qui termine par F yo. Comment on a formé plus hier là-dedans. Voyez, j'aime là moi thief. Thief qui signifie voleur, ok. Un monde qui prend un bagage qui va pour lui. Yo relé le monde ça. Thief, hein, qui c'est voleur. Immédiatement m'a parlé de you voleur classe. Eh bien, m'a utilisé thief like this. Si je parle de plusieurs voleurs classe, plus que moi terminé par F, et bien pour me parler de plusieurs voleurs classe, je retire F là, et puis je remplace par VES. Est-ce que nous là, hein? Ça c'est pour moi qui termine par F. Est-ce que nous la classe? Est-ce que nous là, hein? Hein? Est-ce que nous là, hein? Thief, ouais. Quand nous avons dit classe, voleur après. Voler te prend valise mais voler ouais elle me dit you voler te voler à femme est-ce là hein quand ça me dit grave me dit the thieves ouais voler au pluriel là au singulier ouais et puis par exemple dit stolen ou bien stole ouais qui c'est voler ou bien me dit rob. Ok, qui c'est papillon, ok? My, par exemple, il vole suitcase, moi. Est-ce que là, hein? Plus que m'a parlé de plusieurs voleurs, eh bien, m'allez, moi, tirer F là, moi, ajouter VES. Est-ce que nous là, hein? VES là, pour quel type de mot pluriel lui a formé comme ça? C'est pour mot qui termine par F, qui termine par FF. Qui termine par FE. On a encore une autre classe. On quitte voleur. Hein? Nous parlons de voleur. Nous quittons voleur pour nous apprendre feuille. Ok? Feuille. Ça c'est feuille. Ok? Feuille qui est écrit comme ça en français. Hein? C'est feuille. Ouais? Leaf. Ouais, classe. Pour nous former pluriel, l'île vient de moi. Leaves. Est-ce que là? Hein? Est-ce qu'on a une classe? Qui ça F la fait? F l'a changé en VES. Depuis que moi terminé par F, pour me voir au pluriel, qui ça m'a fait classe? F ça a changé en VES. Ouais. Pour me parler de feuille, ouais, feuille ça, qui c'est l'IF, eh bien, qui ça me fait? Pour me voir au pluriel, moi aller, moi éliminer F là, moi ajouter VES. Est-ce que tout le monde là, hein? Kounya yo dim encore glace. Si m'gagne un mot en anglais qui termine par FF, for example, staff, ouais, staff qui là, ouais, bon, je m'la moi termine par FF. Dis ça c'est voleur, ça c'est feuille. Staff c'est personnel. Personnel comment? Par exemple, yon équipe, ouais. Par exemple, vous arrivez dans yon, par exemple, dans un business, ouais, yon marqué là, c'est personnel seulement qui a accès avec un de ça, ouais. C'est ça qui est le staff là. Est-ce que là, hein? C'est ça qui est le staff. Ok? Let's share. Ok, glace? C'est le même qui est le staff là, ouais? Kouna, si m'a parlé de plusieurs personnels, ok? Plusieurs équipes, et pas équipe football, non, du glace. Pour m'parler de équipe football, nous dit team. Est-ce que là, hein? Team. Mais pour m'parler de équipe, par exemple, yon staff, yon groupe moun. Hein? Yon groupe moun par exemple qui nan business, hein?
Laisse me parler de staff ça. Ouais. Mais si c'est de football, on dit team. OK? Là me dit staff là équipe dans sens personnel. Tout le monde qui a géré ou bien qui n'a dans business qui a accès par exemple à douche, OK? Etc. C'est lui qui staff, ouais. Pour me former pluriel là, je me vois là moi terminer par FF. Et bien très facile, moi éliminer FF là, moi ajouter VE Stabs, ouais. Stabs, il change sens linéaire. Kounya, voilà ou même qui te connaît par exemple. Là parler de voleur, yo dit thief. Et puis kounya voye jo ouais thieves avec VES ou dit quatre ça son notre vocabulaire parce que ou pas connaître exemple hein? Parce que si ou pas connaît ou après pareil comme un autre vocabulaire pas jamais rencontré pendant ce temps c'est pluriel yo formé est-ce que nous là c'est même gens pour pluriel irrégulier yo OK good thank you et même gens pour pluriel irrégulier yo là ou un pluriel irrégulier classe ou carré là moi on dit quatre mots sont pas jamais rencontré pourtant c'est pluriel il prend une autre forme est-ce que là classe là ouais staff les bon staffs nous c'est là parler de équipe OK ou bien un staff un groupe de monde hein, qui a géré qui dans une entreprise qui a accès à bagno toilettes etc hein? Là mine là quoi classe regardez yo dit comment on forme plus encore dans un mot qui terminé par FE OK depuis il terminé par FE m'a fait même bagaille là mais éliminer FE moi ajouter VES quoi ça gars là knife. Knife qui c'est couteau. Couteau on utilise à classe. En nous partager, mes amis, de vous montrer. Partager live là. Hein? On fait la live 50. Hein? On fait la live 50. Hein? Jimmy Gouno, arrête. T'as travail, papa. OK, good. Ouais, knife. On allez. L'aime-moi, j'aime la moi knife qui signifie couteau. Pas besoin de faire cap pour nous, c'est pour me dire knife, non, classe. Ouais. Pas besoin de dire knife. Même dit knife. OK. Knife qui c'est couteau. Couteau on va utiliser. Est-ce que nous là? Couteau, immédiatement m'a parlé de plusieurs couteaux. M'a dit knives. Est-ce que là, hein, glace? Hein? Moi éliminer FEA, moi remplacer par VES. OK? Même si aussi m'a parlé de vie. Là m'a parlé de vie. Ça me dit glace. Hein? M'a parlé de vie. Me dit my life. Est-ce que là? Me dit my life. Di my life like this, ouais, my life, OK? Là qui ça me fait parler de vie, immédiatement m'a parlé de plusieurs vie. Et bien qui ça m'a fait classe, m'a prend V E ça, m'a prend F E ça classe, l'a changé en V E S. Est-ce que nous là hein? Kou la sal pour album la life, là l'album lives. Est-ce que hein, il change elle, hein? Kou na voilà ou même qui te connaissez life yo dit pour parler de vie. Immédiatement ou est live ou dit qu'est-ce qui ça moi ça y est hein cela ou dit qui ça lié pendant ce temps c'est pluriel là informé même je l'aime bien là ou parler de feuille qui c'est leaf immédiatement il a parlé de plusieurs feuilles il changer F là en V E S kounya là ou rencontrer ou ka ouais comme si ça son vocabulaire pas jamais ouais pourtant son pluriel yo formé là pour parler de plusieurs feuilles cela hein. Même je l'aime venir la classe, je dis staff, hein? Et puis là, je dis moi staff, et puis quête, vous avez ça, je me dis quête, gain laisse à son autre vocabulaire, c'est pas même ça, pendant ce temps, c'est même moi, mais c'est plus rien là qui change. Est-ce que là, la classe, hein? L'aime venir là, comme parler de couteau qui c'est knife, vous avez dit plus rien, c'est knives, il change net, ouais, il change, il retire FPA, il voit VES. Est-ce que là, la classe? Même je comme m'a parlé de filles hein de femmes hein les m'a parlé de femmes qui ça me dit ma femme dit my wife hein my wife hein mais il va bon seulement pour me dire my wife c'est ça hein est-ce qu'on est tous seul les tas vous dit my wives non hein on est vous dit my wife hein my wife hein qui c'est ma femme est-ce là. Immédiatement, quand on m'a parlé de plusieurs femmes, et bien, m'a dit my wives. Ouais, il change. Quand on a rencontré wife, ou dit qu'on connaît vocabulaire ça my wife, qui c'est ma femme. Immédiatement, web wives, quand on a dit qu'on wives ça, m'a pas connaît vocabulaire ça non. Pendant ce temps, c'est plus rien là qui formé parce que le terminé par FE, il change en
V-E-S. Est-ce que nous l'avons, Glass? Hein? Est-ce que nous l'avons? On garde encore, ouais, pour femme. Pour life, qui c'est vie. Ouais, il change en V-E-S. Hein? Pour half. L'un dit half, qui c'est moitié. Ok? Moitié. Hein? On va parler de half, ou parler de moitié. Ok, Glass? Ça veut dire demi. Ok? Ouais, on parle de demi, qui c'est moitié, half. Ouais? Kounya, si ma parle de plusieurs, il vient même halves. Ouais. Halves. Li change net. Zakfem brete vocabulaire que wap besoin utiliser. Des mots que wap besoin, c'est avec un bon exemple. Et cela, hein. Des mots wap besoin, là où ou pas dit qu'est-ce que ça son l'autre vocabulaire. On partage, on fait livre, 50, on fait livre 50, on fait livre 50, on fait livre 50. Hein? That's great. Thank you, Jules Veil à Saint-Ville. That's great. Thank you. Oui, c'est Jean. Chaque qui est ça. Oh, 8h-9h, Douillon. 8h-9h du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hein? Il y a un très bel coup anglais. Hein? On peut dire, puis lui, on va peine arriver dans le coup. Hein? Ok? On va toujours passer sur page Malebranche on the air. Page sur un appel live là. Ok? Follow page là. La monter live pour qu'à suivre coup. Live. Bel petit coup. La expliquer avec tranquillité, sans presser. Ok? Dix fois prix dans classe, les, non, question formation plurielle, parce que il y a des mots sans surchanger net, ok? When the number thief, thieves, live, lives, staff, staves, knife, knives, la, wife, wives, life, lives, a half, halves, well, shelf, ok? L'en parle de shelf, nous dit half c'est moitié, ok? Qui c'est moitié? L'aime parler de shelf qui c'est étagère, ouais, étagère, ouais. Un bon exemple, là. Exemple, Glass. Ouais, well, on dit self. Self qui signifie quoi? Self signifie soi-même. Ok, signifie soi-même. Ok, signifie soi-même. Ouais. Self. Le map dit moi-même. Qui ça me dit classe? Le map dit moi-même. Dit myself. Ouais, myself. Est-ce que nous l'avons classe? Qui c'est? Qui ça? Qui c'est moi-même? Hein? Kounya, le map dit toi-même ou bien vous-même. Qui ça me fait? Dit your. Yourself. Ouais. Yourself. Hein? Yourself. Qui signifie? Toi-même ou bien vous-même. Regardez bien ça pour nous là. L'homme dit myself, il signifie moi-même. L'homme dit yourself, il signifie quoi? Il signifie vous-même ou bien toi-même. Quand on prend le pluriel, on prend le pluriel. L'homme vient dans or. C'est ça là, hein? L'homme vient dans or. Ça, on est dans la classe. L'homme vient dans or. Quand on a pour moi dit. Nous-mêmes, quand on a ça qui va passer, on va dire self. Est-ce que je peux dire ourself comme ça parce que je n'ai plus yel là? Non, je ne peux pas dire ourself parce que je n'ai plus yel. Depuis que je n'ai plus yel, F ça, il va changer en V-E-S. Quand on va dire ourselves. Est-ce que nous avons une classe? Je vais dire ourselves. Est-ce que nous hein qui signifie nous-mêmes? Est-ce que j'ai changé? Li changer F là, hein, li changer F là en VES. Extrêmement important, c'est très facile pour identifier le myself, yourself, hein. Ou dit mon faire pour contou, hein, ou dit faire pour contou, ou dit do it yourself. Do it yourself, OK? Ou bien me dit do it by yourself. Ouais, do it by yourself. Ça veut dire faire pour quoi? Est-ce que l'anglais classe? It is very easy, hein? Very easy. Let me see. Exact. Il y a mon qui a fait du travail, hein? Il y a mon qui fait du partager, c'est bien, hein? Ok? De vous monter, partager, inviter mon, vin, well, mes amis, hein? Ok? Inviter mon, vin, well. Bel petit coup ça, hein? Ok? On quitte ça. Rapidement, classe, n'a touché quelques pluriels irréguliers pour qu'à ouais. L'air irrégulier, comment l'y former? Très très rapide, hein? Très rapide. Pour nous quitter le chapitre là, on va faire tout ok. Pour nous dire la classe, pluriel irrégulier par exemple.
un bon exemple. Pluriel irrégulier, qui ça vous fait glace? Li déformer le mot net. Li déformer le mot net. On regarde quelques pluriel irrégulier classe. Par exemple, on regarde quelques pluriel irrégulier très rapide. Ok, on regarde quelques pluriel irrégulier classe. Par exemple, pluriel irrégulier, ça le fait glace. Dinam gagne. Child. Ouais. Child, laisse en parler là de enfant. Ok? Enfant. Ouais. Child, c'est enfant. Ou la glace? Kouna, si ma forme pluriel là, n'a pas suivi comment pluriel irrégulier agit ou même. Pour ma forme pluriel, non, child, qui c'est enfant. Ok? Pour me parler de. Dans mon enfance, laisse-moi utiliser un vocabulaire qui est le childhood. Ouais. Childhood qui signifie enfance. Ouais. Là, m'a parlé de mon enfance. Ok, childhood. Là, m'a parlé de child qui c'est enfant. Immédiatement, m'a dit child comme ça, classe. Là, m'a parlé de pluriel irrégulier. Ça veut dire changer, bagaille. Pour former pluriel là la classe, m'a pas ni ajouter s ni faire l'autre bagaille parce que ils sont pluriel irrégulier, c'est qu'on aime de qu'on elle. Et cela est pour connait pluriel irrégulier à ça le faire, m'te get child. Living ba moi children. Et cela est là parler de child, parler de enfant singulier. Et cela est très bien, on fait arriver 50, on fait arriver 50, très bien. On dit ou pas de là non. Vraiment, tu as regardé l'exemple, tu as regardé l'exemple, très bien. Ouais, j'ai un child qui c'est enfant. Immédiatement, je parle de plusieurs enfants. Je ne peux pas ajouter S la classe parce que je vais ça pluriel irrégulier. Ok, qu'est-ce que ça fait? Les changer net. Ouais, là, il te prononce child. Regardez bien, regardez bien. Là, il prononce comme child, dit child. I'd, child. L'elle change là au pluriel, lui prononce children. Allez bien, glace, suive bien. Est-ce que là, hein? Là, on a parlé d'enfants, on va peut-être dire child, ok? Child, qui signifie enfant. Depuis que je parle de plusieurs sons, on change là, lui vient bon. Children. Est-ce que là, hein, glace? Vous voyez ça? Pluriel irrégulier. On a l'autre exemple, Eglias. Qu'est-ce que je veux dire, Eglias? Là, je veux mouse. Oui? Mouse. Hein? Mouse. Un bon exemple, Eglias. Si nous parlons de mouse, qui ça nous parle? Nous parlons de souris. Oui? Ou après, là, l'informatique, là, on va utiliser cet appareil, là, par exemple, pour manœuvrer le computer. Hein? C'est lié le mouse. Oui? Mouse. Yo dis c'est vrai là m'gen yé mouse, on suit un exemple. Là m'gen yé house. Ouais clair, suis bien. Là m'gen yé house. House pas un pluriel irrégulier. Plus que le pas pluriel irrégulier, là m'a formé pluriel là m'a ajouté s. Pour me dire maison, me dire house, si m'a parlé de des maisons et plusieurs maisons, et bien, je dis houses, m'ajoute S. Est-ce que là, hein? M'ajoute S. Mais qui soit, ouais? Est-ce qu'on parle de mouse avec house? Et presque même gens ont écrit. Celle différence qui est là, c'est M, là, c'est H. Est-ce que là, glace? Pendant ce temps, pluriel, il n'y a pas formé même gens. Là, je dis house, on dit houses, ouais? Pluriel, ok? Quand là, je dis mouse, puisqu'on a parlé de pluriel irrégulier, mouse qui c'est souris. Pour parler de plusieurs souris, la vin bon mouin mice. Est-ce que ça le fait, glace? Li change moi net, ou m'te gen mouse là, li vin bon mouin mice. Qui c'est ça? C'est pluriel irrégulier. Ça, ou supposé qu'on est comme étire mouse, hein, parce que n'est pas pluriel irrégulier. Est-ce que là, glace? Hein? Est-ce que nous là, hein? Fais le 20 secondes, mes amis, on nous partage. Good. Ok? My children, exact. Souvent c'est children. Très bien, Christine Douillon. Hein? Girl, ok. Girls. Exact, Solian. Hein? Ouais. Girls. Ouais. Ça aussi est pluriel régulier. Tenez bien, tenez. Il y a régulier. Ouais. Quand on a des mères, si on parle par exemple toujours classe, P
pluriel irrégulier yo li déformé moi net mon child child li vin bon la children mon la mouse ouais mouse li vin bon la mice là c'est que la parlé de plusieurs souris là la parlé de plusieurs enfants en garder l'autre encore classe. Les moi résumer la classe. Les moi résumer la Samuel encore la moi même. OK? Well and the man. Oh, what's up man? OK? Là c'est là m'a parlé de monsieur, hein? Là me dit man. Est-ce là hein? Quand là c'est là m'a parlé de yon, de singulier. Immédiatement m'a le pluriel la classe, pluriel là il changer. Est-ce là hein? M'pa ka ajouter s là parce que son pluriel irrégulier. Ça va le vin bom la, men. Ouais, men. Est-ce que j'ai changé? Même j'aime bien woman là qui c'est pour fia, eh bien, pas bon, moi, là, je vais pas ajouter S encore, pas bon, moi, woman like this. Ok? Well, change a changé en né, parce qu'ils sont pluriel irrégulier. Est-ce que tout le monde là, hein? Pluriel irrégulier, qui ça vous fait? Yo déformé moi, net, 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 exact. Exactly, Wilfried. Let me be boy. Liban mwen boys. Est-ce que nous là, hein? Liban mwen boys. Mais pas oublier. Pour ça, boy. Ban mwen boys. Hein? Nous te fait règle là. Pour ça, c'est S seulement mwen ajouté là. Parce que Y là est précédé d'une voyelle. Très bien, boys. Good. Ok? Est-ce que nous recommandons former? Dis là, Liban main. Liban main. Woman. Liban woman. Est-ce que là? Là, je suis un child, je suis un children, je suis un mouse, je suis un mice, pour me former pluriel. Est-ce que nous là, hein? Nous avons une belle course, monsieur. Moi, nous pas qu'à jouer. Exact, très bien. De bon exemple, ça y est encore, hein? Dis par exemple, si je parle de dents au singulier, ok? Je dis tuf, ouais? Je dis tuf. Est-ce que là, hein? Tuf qui signifie dents. Mais ça, c'est une dent. C'est singulier. Immédiatement, m'a parlé de plusieurs dents, li changer au sayo glace, li vin bon mwen qui ça, li vin bon mwen tif. Tif qui c'est plusieurs dents, OK? Qui ça m'a dit kounya par exemple? Kounya m'ka dit I need a toothbrush. Ouais, m'te bon exemple là hier, to brush my teeth, hein? Le wa bosse dents yo qui sont dit glace, ou dit I brush my I brush my teeth. Ou pas dit I brush my tooth. Est-ce là hein? Parce que ou gagne yon brosse qui brosse plusieurs dents. On dit là hein, li change là hein. Tooth c'est singulier. Teeth c'est pluriel. Quand on pou me dit brosse à dents, donc je dois aller dire ça, mettez brush, ouais. Just mettez brush, hein? Brush, on dit tooth brush, ouais. Hein? I brush my teeth. Est-ce que nous avons glace? Est-ce que nous avons un woman, woman, exactly? Hein? Wawens, question. How are you? Très bien, Wawens, partagez. Hein? Nous avons pile monde qui a plusieurs monde qui partagez. Hein? Valentino Nel, bonsoir, oh good, bienvenue, my friend. Ok? Est-ce que nous avons qui travaille au fait glace? Est-ce que nous est-ce que nous avons une glace? Est-ce que nous avons une glace? Est-ce que nous avons une glace? Ok, on continue avec un exemple encore glace. On voit quelques exemples. Lève une encore glace. Nous avons une foot. Nous avons une foot. Est-ce que là? Lève une foot qui signifie pied. Ouais, foot. Hein? Pour parler de pied. Hein? Et ça, faut dire football. Ça veut dire jouer football là avec pied. Ouais, football. Et on dit, si je parle de plusieurs pieds. Qui ça va le faire encore? Il va le faire même bagaille la glace, puisqu'elles sont pluriel irrégulier. M'pap ka ajoute S. Ouais, foot la va le bon mouen fit. Est-ce là, hein? Foot ça va le bon mouen fit. Pour qui ça? Parce qu'elles sont pluriel irrégulier. Pour m'parler de plusieurs pieds, eh bien, va le bon mouen fit. Est-ce là, hein, glace? Hein? Est-ce là, qui action pluriel irrégulier au fait, hein, glace? Hein? Est-ce qu'on a action pluriel irrégulier au fait? Qui ça va faire? Yo changé moi net. Autographe la changé. Qu'on a voilà ou même qui pas connaît si son pluriel irrégulier. Lorsque autographe la changé comme ça, ou gen problème ou ticket. Comment on fait changer comme ça?
salié, comment le fait comme ça, vous comprenez? Il y a un petit problème, parce que l'orthographe l'a changé. Pourtant, c'est pluriel au pluriel lié. Est-ce que c'est la glace, hein? Pourtant, c'est au pluriel lié qui est très facile, hein? Ok. Ouais. Dis par exemple, là, je dis chia living bomb children, mouse living bomb mice, main living bomb men, remain living bomb remain, tooth living bomb teeth, et so là, hein? Là, je viens d'un fruit living bomb refill. Je dis ça, il est pluriel irrégulier. Ok, ça me devrait faire ouais. Comment les pluriel irrégulier, j'en li déformé moyo. Ok, mais il y a une liste pluriel irrégulier. Ça, on sait qu'on est pour qu'on est. Ok, pour qu'on est. Depuis vous voyez, il y a déformé net. Vous dites, depuis que vous avez mot ça, ça sont pluriel irrégulier. Est-ce que là, hein? Depuis que vous avez mot ça, ça sont pluriel irrégulier. Je suppose qu'on est, ça sont pluriel irrégulier. C'est pas un vocabulaire m'a goumé. Là moi j'ai moins mouse qu'une moins maïs. Bah si vous avez goumé pour me chercher pour moi ça maïs veut dire. Déjà qu'on est maïs c'est pluriel de mouse. Est-ce que on a une glace? Préparez-vous, des messieurs de m'a fait exercice sous yo hein. Ou information pluriel là, des messieurs de m'a fait bel exercice sous lui hein. OK? Ou qu'on est depuis me faire un chapitre, m'a pas fait exercice là-dedans hein. Ou qu'on ça va avec glace hein. Ou qu'on m'a pas fait exercice hein. Les messieurs, je veux préparer pour faire exercice. Bravo, un paquet de vocabulaire là. Un paquet de vocabulaire. Vous comprenez? Il y a un cap terminé par F. Il y a un cap terminé par FF. FE. Il y a un cap terminé par O. Et cela. Vous connaissez vous-même qui vous dit, moi. Comment pluriel là a formé là dans le mot ça? Et cela. C'est vous-même qui connaissez pour bien garder. Ou elle aime faire tout bon exemple. Ok? Tout montrer. J'ai formé, l'air déformé, qu'on a l'air bon exercice là pour pas gagner trop de difficultés. À sa glace, hein? Toujours songez, mes amis, quoi, c'est 8h, 9h du lundi au vendredi. Yon très bel coup, hein? Invitez les amis, ou vine amuser le petit coup anglais. Ça, nous pas expliquer, nous pas passer haut pour nous montrer, bah, yo haut. Nous passer très très bas, hein? Pour une fois comprendre, yon, sans aucun problème. Et cela, hein? Hein, moutro quelques pluriel irrégulier, pas oublier classe, hein, pour moun qui fait paraître, yo qui devait fait paraître, nous faut tirer vision tout petit. Pardon, on met tirer en l'air avant qu'on tire vision tout petit, hein. Ouais, on tire vision tout petit classe. OK, qui ça me dit hier classe, nous dit pour former pluriel d'abord, premier bagage c'est ajouter s. C'est ajouter s dans moi avec ça là, hein. De dit par exemple, nous avons bird, qui c'est oiseau. Il vient de pour mon pluriel, mal la donne, m'ajoute S. Il vient de me birds, c'est cela, hein. Dit par exemple, nous avons pen, pour moi, mon pluriel, mal d'elle, m'ajoute S. Et c'est cela, hein, glace. Dit par exemple, si nous avons fun, mon pluriel, je fais même bagarre là, mal d'elle, m'ajoute S, qui c'est pluriel. Mais il n'y a rien qui est différent de l'autre, c'est cela. Quand on a là, on dit, on va parler de yon pluriel qui formé à partir de mot qui termine par Y. Est-ce que nous avons une classe? C'est un bon exemple qui est très simple avec des mots qui terminent par Y. Ouais, par exemple là, nous avons une penny qui c'est pièce monnaie dans bon créole. On dit, pour former pluriel là, on va le tenir contre Y d'argent placé. Est-ce qu'elle précède de yon console? Eh bien là, on va le précéder de yon console. Et puis on dit, pour former pluriel là, Y là a transformé en ni. Et puis m'ajouter un S, me dit penis. Est-ce que là une glace? Dis encore un autre exemple encore classe, hein? Dis exemple encore. Si me gagne par exemple, me gagne you mot comme ça. Pour une chaque pour tirer vision, dis par exemple bien tray là qui signifie plateau. OK? Dis si me prend former pluriel là, qui ça me prend tenir compte? Me prend tenir compte de qui ça y la précédent, me voyez moi c'est A. Et bien plus que le précédent de A la classe. C'est que à son voyelle, et bien pour me former ça, m'va transformer Y en I et S, mais Y la prêter là, m'a juste ajouté S. Pour ça, c'est S, m'a juste ajouté, parce que là, Y la précédé de yon voyelle, là, Y la précédé de yon consonne, du changer en I et S, là, la précédé de yon voyelle, m'a juste ajouté S. Est-ce que nous l'avons?
Kou na glas, nou di pon ekzamp la, la men nan kom di play, se men bagay la, eso la, hein? Hein? M just ale m ajoute S, paske m teni kont la, gen yon vrayel ki avan Y. Se nou la, m di la m ven la pon ekzamp la, si m di try, try ki se eseye, si m di he, paske di m troisième person nou fò yon pon S, au présent, eh bien, m'pap kite Y la la glas, paske la gen yon vrayel ki precede l, eh bien, l'em di he, m'ap di he tries. Est-ce là, hein? He tries. Parce que là, Y la précédé de yon consonne, li change net. Est-ce là, hein? Li change l. Est-ce que tout moun la, hein? L'em ven an kwa m'fè fly, même bagay la, pou m'di she flies li vole, eh bien, Y sa a, puisque le précédé de yon consonne, l'ap change encore. Est-ce que tout moun la, hein? C'est même bagay la ki a fè, bien facile. Kou na gis an de di an kwa glas? On te dit encore les mots à terminer par off. On tire une vision très courte dans 5 minutes avant de terminer pour moi qui fait paraître. On dit les nouveaux mots qui terminent par O class pour me former pluriel li là-dedans. Ma possibilité soit de m'ajouter S ou bien S après OA. Hein? Qui ça m'a tenu compte? M'a tenu compte. Est-ce que OA, tenez bien, m'a tenu compte. Est-ce que OSA, li gagne une consonne qui vient avant? Ou bien yon vrayel. Est-ce que là, hein? Nous avons un exemple là. Si m'vin la m'di video, ok? La m'di video, pour m'kone est-ce que là, pour m'forme pluriel, m'a mette S, m'a tenu compte de ça qui vient avant ou a. Est-ce que là, hein? Ça dit précédé. Hein? Moi là, son vrayel qui vient avant, et bien pour m'forme pluriel là, là m'just dit video, ouais, m'just ajouté S. Pourquoi ça c'est S m'just ajouté? Parce que moi, on a précédé d'une voyelle. Et c'est là, hein? Quand il y a classe, si je dis mango, qui c'est mango, pour me connaître est-ce que c'est S m'a ajouté ou bien, et S, qui ça me fait, mal tenu compte de ça qui vient avant OA qui s'allie, moi c'est une console. Mais plus que c'est une console, eh bien, m'a ajouté et S, ouais, mangoes. Et c'est nous l'anglais, mangoes. Hein? C'est ça nous souhaitons. Et nous te dit, il y a des mots scientifiques aussi. Les gens parlent de yoglas ou pas respecter les règles ni ES, ni S ou juste ajouter S. Des bons exemples qui c'est piano, stylo. Ouais. Dis-moi ça yoglas, ce sont des mots scientifiques. Hein? D'abréviation, qui ça me fait? Eh bien, pour me former, je ne vais pas tenir compte de consonnes ni consonnes. Yo just di mots ça ce sont des mots spéciaux, c'est des cas exceptionnels, yo just point S. On dit piano, stylos. Est-ce là hein? Est-ce que nous la glace? C'est ça nous j'ai fait dans pluriel là, qu'on a ou même ou bien pour songer ça yo, pour songer yo parce que n'a fait un exercice demain si je veux, hein. Thank you. N'a fait un exercice demain si je veux, côté que nous pral revivre yo. Tout le monde qui te comprend a fait exercice ça bien facile parce que c'est vous même qui a fait exercice ça même dans comment yo vous comprenez et pas moi qui a fait on depuis exercice ça sur tableau on pas connait hein c'est vous même qui a voyer dit ça qui bon avec ça qui pas bon comment y a formé hein toujours songer j'aime dire là pluriel irrégulier déformé net ou là l'ouel pour pas ajouter s hein toujours songer Jean Oyo marché l'ouel pour qu'a fait comment yo normal OK. Parce que c'est belle bagaille, elle m'a fait exercice. Moi, tout le monde qui t'a suivi pour avoir une réponse directement. Moi. Vous comprenez? Moun qui fait paraître tomber, pas un problème. Ouais. Hein? Vous voyez que l'exercice, c'est moun qui fait paraître qui tombe, pas un problème. Mais de bout là, où t'es en comprendre, faut résoudre li bien. Tout le monde qui te comprend bien, ça qu'a fait là. Ok? On nous a continué, yes, hein? Avant même nos parties, on a continué, yes, hein? Mes amis, m'gen en pile zami qui a suivi pour avec moi. Ouais, comprenez? M'a remercier yon moun qui fait en pile fort mes amis, qui c'est Christina, hein. Christina voye en pile zami abonné avec Chanel moi. Oh, ça fait plaisir. Vous comprenez? En pile zami, li voye en pile zami, hein. Puis ça chaque moun qui là, on nous aide m pour sel, hein. Besoin faire live sous li tout pendant live. Ouais, m'dou ça encore. Allez, même faire rive 1000 moun mes amis. Ou gen 3-4 moun la caillou, ça pas rien faire regarder un petit cal vidéo. Yo abonné avec, vous comprendre? Et d'aime pousser
dans mes bonhommes live sur Facebook là, live sur YouTube, tout comprend. Des deux groupes de monde qui a suivi belle bagarre, hein. On est de pousser mes amis, hein, travail là m'a prendre ni facile, mais on soulager mais hein, c'est dans la glace. On est de pousser de façon pour gagner plus temps tout pour me cabane nous anglais normal. J'aurais n'a fait belle pratique sous groupe là, m'a mettre professeur anglais sous groupe WhatsApp là pour nous pratiquer. Est-ce là m'a pensé pour nous, hein, m'a pensé pour nous. Et bien nous-mêmes on est de pousser tout, vous comprenez. Gen pi moun la mal gen di sa yo pa passe et de pou sel même j'avais 2-3 moun fèl, hein. Ale de pou sel mes amis, c'est même nous, hein. Si tu es mal de branche on dit eh sous ta regarder ta l'autre après m'te pin le clan, OK, ouais. C'est très facile mes amis. Et de pou sel, et de pou sel. Comprenez? Ouais, même la gueule kounya, ou après le clan, ouais. Ouais, même pin ni, ouais. Même pile l'éclat les amis, nous ka passé sous lui, vous comprenez, dès pour nique pas tout pour abonner, yo pas quitter là. OK, mais dès pour faut garder ou abonner, ou dès me pousser travail là, moi même m'a toujours venir avec belle petite leçon avec exercice qui a facilité bien comprendre. Gen pile moun qui comprend travail là, ça fait bien, ça fait bien. It is English. Ou connait ça belle là? Gen un africain qui t'a suivi pour aller pendant nous partager dans groupe gen africain sur yo. Il a écrit des messages, vous comprenez? Il a dit comment on aider yo, comment on aider yo parler anglais, ouais, j'en m'a faire quoi etc. Ouais, des africains qui a écrit dans partage sous groupe. Vous comprenez? Pendant ce temps, il y a haïtien qui pas baille ça qu'a fait la importance. Ouais, le partager le blou ouais pendant mon fait paraître blau, li monter. Yo ouais son baille sérieux qu'a fait y aller. Y a des ça qui a fait bruit qu'a parler en pile sur là. Vous comprenez? Plusieurs africains écrit dit moi, hein. I'd like to speak English. How can you help me? Ouais. You say how can you help me? Get cap ma cap écrit mal. Cap mande pour aider yo. Ou même haïtien mes amis. On met ti anglais nous. Là on parle anglais. Ou ka fait comme même gens avec yo nèg qui apprend nous gros bagaille. Et qu'on pas comme ça, hein. Ou ka fait comme même gens qui apprend nous gros bagaille, ou pas même qu'on dit on va aller. On prend pour on va faire tourisme avec etc. Ou besoin anglais. Anglais utile ou en pile, hein. Parce que les gens font technique pour acheter n'importe quoi au rive, vous comprenez? Ça fait beaucoup faire. Les gens sont gagnants pile monde qui a venu, beaucoup venu. Bah le petit au bagage, mais les gens font technique pour acheter, pour bailler prix, pour virer bagage, pour mettre un petit sens, mettre un petit sens sur lui. Vous voyez loin comment anglais belle, tout ça bah vous besoin connaître. Qui soit qui vous fait bien, en pousser, en aide à pousser, quoi puis devant pour nous cajoler, puis bon bagage toujours. Moi merci à tout le monde qui déjà fait. Qui dit mon cher n'a poussé travail là qui voyait petit message bon moi encourager m'pas bien courager m'te, bon m'te fait n'importe moi à deux green moun seulement trois moun hein Christina était là qui est c'était encore te gros Richard etc. nous même pas décourager hein et pas qu'on y a là pendant nous commencer voyer en pile zanmi vini m'a décourager m'a frappé en nous continuer de pousser chaîne là et page là pour nous ca pousser plus devant laisse on voir quoi après le fait piber la guette en lui etc. Merci les fêtes qu'on choisit suivre Marley Brachon d'hier, c'était un plaisir, a raise a pleasure to be with you, toujours un plaisir pour ma mère. OK, it's time now to say goodbye, it's time to say goodbye. OK, c'est l'heure pour me dire au revoir. Don't forget tomorrow, pas oublier demain, n'a pas un bel exercice sous même pluriel ça aucun défait. Les m'a fait exercice. Exercice ça qui ça fait, il permet tout puis bien comprendre ça que t'es fait là, hein. Demain si je veux, soit à l'heure 8h pile, on exercice là la longue, on va commencer à 8h pile. Et puis pour tout le monde qui répond, viens brancher à l'heure et vite amis, viens suivre en anglais. Thank you. Enjoy. Have a very good time. Thank you very much. Bye.